Voilà, c'est le carnet de ma grand-mère qu'elle a écrit pendant le génocide, pendant 1915, 1918, 19. Elle écrit ce petit carnet qu'elle a dans sa poche. Elle raconte ce qui se passe, les morts, les convois, les femmes, les enfants. Écrit sur les routes de l'Exode, ce petit carnet est l'unique témoignage de la marche forcée des Arméniens en 1915, une sorte de journal d'Anne Frank. La jeune fille de 22 ans y raconte, tantôt en arménien, tantôt en français, ses fuites et ses souffrances. Serpouille Ovagian, elle, va survivre au génocide et rejoindre la France, où Annie, sa petite fille, retrouvera en 2008 ce précieux document rangé dans une malle. On est arrivé à Kema 9 jours plus tard. Oh, de quelle scène avons-nous été les spectateurs? Pendant 3 jours, nous avons dormi au bord de la rivière, où les corps semblaient remuer dans l'eau pour exciter la pitié du cœur, mais le cœur est resté insensible. Là, elle est parmi les autres dans le convoi qui est entre 50 et 100 personnes, femmes, enfants, parce qu'il n'y a pas d'hommes, vieillards. Et là, elle s'aperçoit que les gardes, ils sont 4 ou 5 pour les garder, c'est tout. Mais ils sont tous comme des moutons, quoi. Ils avancent, on leur a dit d'aller là. Ils pensent qu'ils sont déportés pour aller dans un autre village plus loin de la mer parce qu'il y a les Russes, il y a la guerre. Alors ils écoutent, quoi. Ils y vont. Mais elle comprend tout de suite qu'ils vont vers le sud. Et le sud, c'est le désert, c'est la mort. Ces panneaux retracent l'odyssée de Serpouille, une histoire singulière dans la grande histoire du génocide des Arméniens. Des centaines de milliers d'entre eux périssent sur ce chemin vers nulle part. Serpouille, elle, remonte vers la mer, puis l'Europe. Elle m'a raconté ça. Et ça m'a... À la fois, c'était triste, et à la fois, je trouve qu'il faut raconter, parce que pour moi, c'était pas triste, puisqu'elle était devant moi. C'était une héroïne, elle avait survécu, elle s'est échappée 2 fois, elle s'est déguisée en turc. Enfin, elle a fait un vrai roman, quoi. C'est extraordinaire. Elle était dans Les Misérables, elle était dans tout ce qu'elle avait lu. De ses carnets et de ses histoires racontées, Annie Roman en a écrit un livre, Ma grand-mère d'Arménie, une héroïne à bien des égards.